Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 28e épisode de Pokémon Version Argent. J'espère que vous allez bien. Et donc la dernière fois nous étions arrêtés à Jadiel. Alors voilà, l'équipe n'a pas changé, hein. J'ai toujours pas fait d'XP, je n'ai toujours rien foutu. Eh oui, c'est pas bien, mais bon, allez bien cette petite équipe. Dites-moi ce que vous en pensez de cette équipe, voilà. Dites-moi encore si vous me faites penser à des retouches à faire. Ça, mais bon, après je sais pas si je les ferai obligatoirement. Mais bon, j'adore toujours avoir vos petites idées. Voilà, même si je les fais pas, c'est assez constructif, même pour d'autres let's play plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, cet épisode assez court, je pense. Nous allons nous attaquer à la reine de Jadiel. Donc, c'est parti. On va prendre le hello. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Décidément. Je vais pas y arriver, excusez-moi. Voilà. Allez, on est tranquille pour un moment. Donc, on va affronter ce cher Régis Blue. Mais bon, je t'appellerai toujours Régis. Moi. Bah, tu vas affronter le champion. Bonne chance, tu en auras besoin. Allez, hop. Ah, bah oui, il y a le petit bonhomme dans l'arène. La reine de Lego, quoi. Salut, graine de champion. Tout va bien? Le champion qui est celui qui a combattu le maître et celui qui a combattu le maître il y a 3 ans. Oh là là, j'avais mal formulé. C'est pas un tendre. Alors, bonne chance. Oui, bah, je le connais, c'est un petit merdeux, mais il est balèze. Ah, il a mis sa petite veste et tout, sa cape. Yo, enfin te voilà, toi. J'avais pas la pêche à cramoise, deal. Mais maintenant, ça va être ta fête, l'ami. Quoi, dit? T'as fini toutes les arènes de Johto? Ben, c'est qu'ils sont tous nuls à Johto, alors. Mais t'en fais pas. Je vais te dire de suite si tu es bon ou carrément nul. Prêt, Johto Boy? Une petite compétition entre les deux régions, c'est assez sympa ça. Blue champion, on va se battre. Bon, du lourd, hein, dès le début, hein, voilà, là, ça va être peut-être le premier champion de Kanto avec qui on va peut-être galérer. Un sacré level, là. C'est pas un combat facile, hein, croyez-moi. Non, il n'a pas de starter, mais en fait, il a tous les Pokémon qu'il a dans le... Enfin voilà, sans qu'il ait Florizarre, Tortank et Dracaufeu, quoi. C'est-à-dire, voilà, quand il avait Dracaufeu, il avait pas Arcanin. Quand il avait Tortank, il avait pas Léviator ou pas Florizarre, il n'y a pas de mode Coco. Ben là, il a tous ces Pokémon-là sans les starters, voilà. Voilà, tout ce qu'il devrait avoir, voilà. Donc il a droit à Rocarnage, ensuite... Rhinophéros. Toujours, voilà. Devrait y avoir Rocarnage, Rhinophéros... Alakazam, Arcanin, Noix de Coco et Léviator, théoriquement. Donc voilà, mais c'est une équipe très équilibrée, voilà, c'est vraiment une équipe superbe, quoi, franchement. Elle est superbe, son équipe à Régis. Moi, Régis, petit merdeux, tout ça, mais j'adore ce dresseur, quoi, c'est vraiment lui qui a toujours une équipe, alors au top, quoi, au top niveau. Hein. Bien équilibré un petit peu et tout, franchement, il est irréprochable. Vous voyez bien, là, franchement, il. Il gère. Bon, on prend pas de risque parce que les levels sont forts là. Ah, il faut 58 quand même. Oh, c'est limite de la ligue là. Mais bon, là j'ai les types qu'il faut. Ça va quoi. Ah, là tu t'es mis dans la merde tout seul là, Léviator. Bah, tu me permets d'attaquer. En plus, la pluie va augmenter la puissance électrique. Ah non, t'as longtemps. Utiliser Alakazam, on a Noctali pour ça. Voilà, même si les différences de niveau sont plus forts les siens. Avec les types que j'ai, voilà, j'ai chaque type pour contrer ces Pokémon. Donc ça devrait pas poser de soucis. Voilà. Bah morsure ça sent très bien je pense. Allez hop. Morsure. Tintintin. Hop, voilà. Va utiliser Arcanin. Donc là, nous allons utiliser notre ami Dracolos. Hein. C'est dément, ils nous servent beaucoup. Hein. C'est vraiment très utile. Oh, Arcanin, mais quelle classe! Quel sprite! Ah, c'est peut-être le plus beau sprite d'Arcanin que j'ai jamais vu. T'as. Dans la version argent, quoi. Dans la version or, je sais pas ce qu'il fait, il est à moitié, je sais pas, il a une tronche bizarre. Dans la version argent, regardez-moi comme il est beau avant que je le désingue, regardez-moi ça comme il... La classe, la gueule ouverte, genre trop la classe, Arcanin. Magnifique Pokémon, franchement.
Putain, ça, ça pardonne pas ça. Alors. Allez, hop. Ça, c'est fait. Par contre, il m'a fait beaucoup de dégâts. Hein. On va utiliser une noix de coco, bon, Typhlosion. Bon, vous voyez, bon, on n'aura pas trop galéré, mais bon. Ah, faut s'en méfier, quoi. Si on n'a pas l'équipe équilibrée, ça va pas. Bah, merde, ça diminue les attaques de feu, bon, tant pis. Ça va lui faire mal quand même. J'aurais dû faire point de feu, si j'ai su. Tamantan. Il est un peu galère ce combat, quand même. Hein. Bon, il brûle, c'est pas mal ça. Mais il rate son attaque en plus. Ah, la pluie s'est arrêtée, bonne nouvelle. Allez, hop, on one shot. Là. C'est sûr et certain. Quoi? Comment c'est possible ça? Pff, tiens. Prends ce badge de terre. Tintin, le badge de terre. Avec des Lego. Non, j'arrête de déconner. Bon, ok, j'avais tort, je le reconnais. T'es un bon petit dresseur. Mais bon, se battra un jour, t'inquiète pas. Ok, bah, moi j'ai bien de t'avance content, mais il va être encore plus monstrueux. Écoute voir, reste bon jusqu'à notre prochain combat, d'accord? Ok. Bon, c'est bien, il est devenu bien, j'adore, il a un bon caractère là maintenant. Il a grandi, il a mûri. Piou, alors toi t'es fort. Ça c'était du combat. J'en ai les larmes aux yeux. Oh oui, j'avoue c'était pas mal. Bon. Là, maintenant nous allons nous diriger vers le mont Argent. Nous sommes presque à la fin du jeu. Mais bon, vous inquiétez pas. On fera. Il y a d'autres trucs à faire encore. Des tés de bricole à faire. Allez hop. Tom, tom. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont super forts. Ok, merci madame. Ouais, allez hop. Ah, bicyclette. Ah, faut que j'aille voir le prochain, ah c'est vrai. Oh bordel, je vais voir, le vieux Grégo il me donne un truc quand j'aurai tous les badges. Je sais pas ce qu'il va me donner. Hop, on évite les hauteurs parce que boire des ratata et des recoules niveau 5, non merci. Niveau 2 même des fois. C'est même plus niveau 2 et 3 que 5. Voilà. Niveau 2. Allez, Ratata et les Hirocool. On rencontre au début du jeu. Ils sont mythiques ceux-là. C'est des Pokémon importants, c'est les premiers qu'on rencontre quoi. Donc moi je les néglige pas. Eh, hey, c'est excellent. Tu as les badges des arènes de Kanto, bravo. J'ai eu raison de te faire confiance. Voilà ce qu'on va faire, Vince. Je vais m'arranger pour que tu puisses aller au mont Argent. C'est là que tu trouveras tout un tas de Pokémon sauvages. C'est trop dangereux pour les dresseurs, mais on peut faire une exception pour ton cas, Vince. Bah, au plateau Indigo, tu accéderas au mont Argent là, de là-bas. Et ton Pokédex avance? Bah, je ne sais pas avancer plus le choix, vieux Grigou. Bah. Allez. Oui, allez. Allez, lâche-moi. N'hésite pas à passer si tu es dans la région. Non. Au secours. Au viol. J'en vais. Bon. Ouais, bon, pas faire vol pour faire 2 mètres. Tout de même! Ils sont pas des feignants à ce point-là. Non, en plus, on a la bicyclette. Oh non! Un roucou, le ratata nous emmerde. Ah, c'est un rourou. Un cool-cool. Allez. Bon! Va-t-on y arriver? Alors, le plateau Indigo, c'est pas loin, c'est tant bien. Jadiel. Le paradis vert éternel. Waouh, ça rime et c'est beau. Tant, tant, tant. Ratata. Hop là. Allez hop. Voilà, c'est bien le plateau Indigo, les Pokémon. Entrée de la route Victoria, j'adore ce passage. Ok, bon, c'est Libia, plus le mec. Route 28, ok.
Donc je crois qu'on va revenir à Johto quand on sera au bout. Voilà, d'avoir des Pokémon assez balèzes, je pense. Oh, Dauphin, ouais. C'est plus des Ratata, là. Hein. Ouais, Dauphin niveau 40. Ok, ça va être pas mal pour l'XP ici. Bon. Bon, allez, il y a un centre Pokémon à atteindre. Ça va être très court, hein, mais bon. Je voudrais que la route était plus longue, je m'aperçois que le centre Pokémon est juste là. Ça va être une vidéo très courte. Ah, il y a une maison. Ah non, non, c'est bon, le chemin, il y a du chemin quand même. Il y a une maison là, il y aura un truc. Ah, j'aime bien Dauphin, il faudra que j'en chope un, mais plus tard. Là, j'ai envie de passer mon chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Ah! J'aurais dû prendre des repousses! Bah, dégagez, on va emmerder les dauphins là-haut. Là, ça va te faire mal. On meurt pas, j'ai un Dracolos quand même. Hein. Franchement, j'ai une équipe tétra balèze, hein. Moi aussi. Non, mais oh. Pas mal mon équipe quand même. Faut pas me chercher. Ils croient quoi là? Ils croient quoi tous ces dresseurs là? Oh oh oh. C'est bon. Ah. Ah. Ça m'emmerde. Oh, un Dodrio! Eh ben dis donc. Eh ben c'est bien pour les captures et si ceux qui veulent faire trouver des Pokémon rares, c'est pas mal hein. J'avais oublié qu'il y avait autant de. Bon, je croyais qu'il y avait juste des dauphins des gravalanches. Des trucs en cailloux quoi, mais non, il y a aussi des oiseaux à trois têtes. Eh ben ils sont en plus ils ont. Oula, un Ponyta, mais c'est génial! Des bonnes captures à faire là. J'aime bien Ponyta également pas. Ah, les Pokémon feu, de toute façon, je les aime à peu près tous, moi. Ah, faut le coup pour aller, je crois, à la maison, là-bas. Tan, 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 tan. Ah oui, ouais. Ah, je peux le faire monter d'un niveau. Allez, ça va en stresser, alors je vais le faire monter d'un niveau. Je reconnais que ça va stresser, je suis sûr. Bon, allez, c'est toi qui vas prendre mon petit Ponyta, je suis désolé. Et voilà quoi. Hop là. Ok. C'est pas mal 57. T'as bientôt 200 PV, c'est vraiment un monstre Dracolos. Un des Pokémon les plus cheatés quoi, c'est... Et je suis content de l'avoir. Bordel de merde. On va aller sur l'île là. Je vais me balader. Je vais me balader. Hop hop hop. Allez. Bah y'a rien. On doit bien avoir un truc là. C'est pas possible. Il peut pas faire un chemin où y'a rien dessus. Ok, tout ça pour rien. Bon, bon enfin, on va devoir un truc, mais on a flemme de le chercher. Mais je suis très fini. Ce que j'ai en ce moment. Là-bas il y a peut-être. Ah ouais, faut couper, merde, bon, on ira plus tard. De toute façon, c'est nul ce qu'il y a. Oh, il y a une mamie tout paumée là. Les dresseurs qui recherchent le pouvoir grimpent le moins argent malgré de nombreux dangers. Avec leurs Pokémon les plus forts, ils pensent pouvoir aller partout. Ah bah oui, hein, ça c'est sûr. Hein. Attends, même pas peur. Bon, bah, épisode très court, mais bon. Comme voilà, ça vous fera un peu deux épisodes de Pokémon à la suite. Bon, voilà, ça compense. Hein. Bah, si c'est très court, ça compense. Et puis donc, au prochain épisode. Attendez, je vais regarder un truc. Je crois qu'on est revenu dans Johto. Non, argent, c'est à côté Kanto, mais c'est considéré comme Johto si je crois bien. Oui, nous sommes revenus à Johto. Bah, très bien, ça évitera de prendre le train ou le bateau. Voilà, la prochaine fois, nous allons. Nous occuper de Pokémon rares. Alors on a un Pokémon légendaire, voilà, un oiseau légendaire, bon, vous le connaissez, mais... Non, même si c'est beaucoup le connaissent, j'ai bien gardé le spoil, voilà, un oiseau rouge, vous savez qui c'est. Aussi, il y a le fameux Loclas que je vous ai parlé, qui apparaît que le vendredi, à choper. Et le Débugant, qui est dans la grotte, avec, bon, il faut avoir cascade pour y aller. Donc, le prochain épisode, ça va être un épisode capture. Et pourquoi pas peut-être essayer de choper Raikou aussi. On verra. Prochain épisode, c'est un épisode capture. Et l'épisode d'après, ça sera l'épisode final, le combat final contre un dresseur surpuissant. Vous allez voir.
Je ne vous en dis pas plus. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, pensez à laisser un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne, patati patata, vos commentaires, bien entendu, c'est le plus important. Et puis voilà, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous !